Alors, le premier foyer a ouvert à Dijon en 89. Et puis, il y a eu ensuite un deuxième foyer et un troisième foyer. Le troisième foyer a ouvert en 2002, ainsi qu'un centre d'activité de jour, donc le Sillon, qui a ouvert aussi en 2002, pour accueillir des personnes pour une activité en journée. J'ai connu l'Arche quand je faisais mon école d'éducateur à Grenoble, il y a très longtemps, en mai 68. Et un de mes grands amis à l'époque m'a offert un petit livre de Jean Vanier qui s'appelle « Ton silence m'appelle ». Et j'ai lu ce livre et j'ai su que j'allais aimer, l'Arche. S'il y aurait une chose à retenir, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les personnes, et notamment maintenant dans les groupes de parole, les personnes qui n'ont pas la parole. Et ils ont le don de nous montrer que telle chose est superficielle, que ça n'a aucun intérêt de se prendre la tête sur telle ou telle chose. Et ouais, je pense que j'ai appris ce qui était important pour moi, mais ça m'a fait ressortir mes valeurs. Cette humanité à l'état brut, quoi. En fait, j'apprends beaucoup sur moi-même. Parce que, enfin, je suis pas très, voilà, je suis pas très patiente dans la vie de tous les jours, et j'apprends vachement, à prendre du recul, à m'énerver beaucoup moins vite, parce que, bah, tout ce que nous on fait habituellement en 5 minutes, bah, ils peuvent mettre une demi-heure à le faire. Et voilà, enfin, c'est voilà. À la façon dont je réagissais face aux handicapés. J'avais de plus en plus l'impression que c'est moi qui avais un handicap, parce que je n'arrivais pas bien à trouver la bonne longueur d'onde pour entrer en communication avec eux. J'arrive d'ailleurs pas forcément toujours encore, notamment avec ceux qui ne parlent quasiment pas. C'est une source de richesse, c'est une... J'oserais dire que c'est une bénédiction, parce que la vie avec ces personnes révèle des trésors insoupçonnés. Qu'est-ce que je dirais ? Qu'on a vraiment de la chance d'être à l'Arche, à Dijon, et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis qu'on voit régulièrement. Tu connais l'Arche depuis très longtemps ? Oui. Raconte-nous comment tu... Est-ce que c'est comment mon père oui. qui faisait les travaux du Sarment, les plans du Sarment. J'ai été, puis on a discuté, puis au bout d'un moment, il a dit, ben, on va le prendre, puis allez hop. Et allez hop, c'était parti pour la grande aventure avec l'Arche. Voilà. C'est une vie familiale. On a de la chance d'avoir un grand fondateur. Il s'appelle Monsieur Vanier. Et il est super. Ils ont un réel handicap intellectuel, mais ils n'ont pas un handicap du cœur. Ils entrent en relation. Leur cri, leur soif, c'est « Est-ce que tu m'aimes ?» Et c'est un cri très simple qui nous touche en profondeur et nous fait passer de la tête au cœur. Donc ils sont... des gens extraordinaires, comme des maîtres de la relation, de la communion, de l'amitié. Et en plus, saint Paul dit qu'ils se sentent, que Dieu les a choisis, les fous et les faibles, pour confondre les gens dans leur tête et dans la puissance. Donc, ce sont les premiers témoins de Jésus. Il y a beaucoup de moments heureux, en fait. On passe vraiment... Enfin, dans les soirées juste au foyer, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, on passe des bons moments ensemble. L'équipe veille aussi à faire des sorties, des activités intéressantes en dehors du foyer, ce qui amène forcément de la bonne humeur, de la joie pour tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Du Bach, du Mozart, du Vivaldi? Beethoven? Oui, Mozart. «
quand on est quelqu'un qui, comme moi, est un privilégié et qui n'est pas de gros soucis matériels, d'organisation, familiaux et tout ça, on ne peut être que, entre guillemets, concerné et plus que ça même par toutes ces actions. Donc je me suis intéressé à cette cause. Donc ces associations-là, en plus, là, j'ai vu qu'ils étaient très bien installés dans un cadre presque idyllique, hein, parce qu'il y avait un jardin en plein centre-ville. Voilà, et j'ai vu qu'ils étaient aussi encadrés par des gens vraiment de cœur, qui font souvent ça en plus d'autres choses, par conviction. Et encore une fois, on se dit toujours qu'on ne fait pas assez soi, mais ça renforce dans l'idée qu'il ne faut pas avoir peur de donner un petit peu de son temps et de son énergie pour ça.